Bonjour, bonjour les Kota, bonjour les Kota, bonjour Kota Lozanga, comment tu vas? Bonjour Kota Tania Mogo, bonjour Kota Rose d'Afrique, bonjour Kota Romeo Ban, j'espère que tu vas bien Kota. Bonjour ma maman, ma mère chérie, fais bien patience. Bipi, tout le monde est les Kota. Bonjour Kota Joséphine Legrand, comment tu vas? Comment vous allez les Kota? Vous allez bien, vous m'avez beaucoup manqué, pas trop le temps, voilà. Bipi, tout le monde est les Kota. Bipé tout le monde, Bipé Ovianga Jobajo, Bipé ma grande sœur Eva, Kota Tania Mugo, comment tu vas ma Kota? Oui, j'ai vu ta sistou là, je l'ai vu, j'ai vu la Kota Joséphine Legrand, et je fais un gros coucou. Tania Mugo, j'espère que tu vas bien. Les filles de Mama Pépé, Tania Mugo, Joséphine Legrand, Rose d'Avril, voilà, Roméo Bar, les filles de Mama Phoebe Patience. Bonjour les Kota. Orisha, comment tu vas? Comment tu vas, Orisha? Où est ma contenance? Bipé Mate, je ne sais pas si elle dort. Bipé Mate. Bipé tout le monde, hein? La TKC en direct. S'ils ne vont pas nous signaler comme d'habitude, nique ta mère, comment tu vas, Kota? Comment tu vas? J'espère que tu vas bien. C'est fatigant parce que vous voyez, on signale toujours nos directs alors qu'on n'est même pas nombreux. Je ne sais pas pourquoi on ne veut pas qu'on s'explique, qu'on s'exprime, je ne sais pas. Kota Orisha, j'espère que tu vas bien. Ok, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais bien grâce à mes occupations. J'ai repris le travail. Kota Ango, pour mes bonjours, comment tu vas? Comment vous allez, les Kota? La famille, le mari, les enfants, vous savez, ce n'est pas facile, ce n'est pas vraiment facile. Bon, voilà. Bipé les quotas, bipé tout le monde. Où est quota qui sort de Monaco parce que il faut qu'ils bloquent. Il y a aussi quota Bomambombo aussi, qu'ils ont accès à ce compte, qu'ils peuvent bloquer parce que sans ça, comment tu vas, Roméo? Comment tu vas, quota? J'espère que notre bébé aussi va bien, quota Roméo. Ben. Donc, je voulais dire à qui sort de Monaco s'il est là, Bomambombo. Ce sont eux qui ont accès, qui peuvent bloquer les gens, qui peuvent vraiment bloquer les gens parce que quand il y a déjà les commentaires qui ne sont pas bien et que ils appellent les autres, parce que dès qu'on est en direct, dès que vous voyez deux, trois commentaires qui ne sont pas bien, c'est qu'ils sont, ils vont aller dire aux autres de nous, de commencer à. Bah oui. Mais comment on va faire, Kota nique ta mère, comment on va faire? J'espère que depuis que le Diamant Bleu est sur Facebook, je pense qu'elle doit déjà avoir les gens qui maîtrisent les logiciels informatiques pour défendre, pour que les gens ne doivent pas manger derrière son travail.
C'est à eux de faire ce travail parce que tu sais, Kota, Kota, ce que tu dis, ni Kota, ni ta mère, ce que tu dis est vrai, mais nous, on n'y peut rien parce que ils ont les pages et vous savez que les pages sont protégées. Vous croyez que, mais Kera Johnson, comment tu vas, Kota? Monica, comment tu vas? Vous croyez peut-être qu'ils me signalent tout le temps. Pourquoi? Parce que c'est pas une page. Et moi, j'ai dit ici, je redis aujourd'hui, comme j'ai toujours dit, que je préfère que Kota qui s'en... Oh, KotaToli.com, comment tu vas, Kota? Je sais que tu vas bien. Abonnez-vous chez notre KotaToli.com. Toli.com, Yayato, j'espère que tu vas bien et que tu vas faire des coupures parce que je vais envoyer les messages aux deux vieilles filles d'Mbiaï. Tu vas couper les parties là et tu vas les envoyer. Donc, abonnez-vous sur Toli.com. Toli.com n'a pas de parti pris. Quand il faut qu'il coupe et quand il faut qu'il coupe là où il faut pour que ça entre bien dans les oreilles de tout le monde. Mais vous voyez, il y a les pages qui sont pour les autres à 100%. Coupez aussi cette partie, vous envoyez aussi à Afrique Njapa. Parce que Afrique Njapa, c'est un, il est abeille. Afrique Njapa est abeille. Coupez là, vous l'envoyez. Parce que je ne sais pas ce que celui-là réclame à Diamant Bleu. Même quand il a envie de faire une publicité, quand Diamant Bleu fait souvent ses œuvres humanitaires, il dénigre d'abord avant de faire une petite publicité. On sait très bien avec les autres pages, comme les Congosa et tout. Mais vous voyez Toli.com. Toli.com, quand il coupe là où il ne prend pas, il n'a pas de parti pris. Même mes directs, il coupe souvent mes directs. Comme je suis en train de lui dire aujourd'hui que, comme il est là, il va couper pour envoyer aux deux filles d'Mbiaï. Donc voilà. Mais Kota, Mireille, comment tu vas? Bonjour. À Bipé, Marthe, peut-être Marthe est en train de dormir. Donc, j'étais en train de dire à Kota, nique ta mère, qui disait là que il faut, mais on ne peut pas. Parce que moi, j'ai demandé à Christian de Monaco, Kota, merci Monica, de faire ce Facebook en page. Parce que, et essayer un peu de, s'il peut faire de ça de bon usage, parce que j'ai fait des directs, on a beaucoup de vues. On a beaucoup de vues, ça veut dire que on peut déjà, les gens, Facebook peut déjà faire passer les publicités. Parce que vous voyez la méchanceté. Parce que quand on est en direct, ils ne sont pas là. Ils viennent seulement pour venir nous signaler. Mais après nos directs, vous voyez 6000 vues, 5000 vues, 4000 vues, 10000 vues, 9000 vues. Ça veut dire que Facebook peut déjà faire cette page. Si ça devient une page, ils peuvent déjà faire passer les publicités. Et le peu, ce qui va entrer dedans, on peut déjà... Moi, je ne dis pas, je dis qu'on peut. Donc, ils sont de Monaco. Je reparle de ça aujourd'hui, de faire... Voilà, Toli.com, Kota, je sais, c'est ça que je suis en train de dire, que déjà, toi, tu n'es pas tribaliste, tu ne prends, tu n'as pas de parti pris. On a dit que c'est toi, c'était Oshiga avec Amek derrière, alors que non, Toli.com, c'est Toli.com. Toli.com, ah, c'est la page de l'heure, c'est tout. Donc, moi, j'ai dit que mieux que mon Facebook s'y devienne une page et que ça peut être monétisé et ça peut aider au niveau des œuvres humanitaires de Diamant Bleu. Ce que on peut, ça peut donner tous les mois, on verse ça dans le compte de Diamant Bleu. Et chaque fois que Diamant Bleu, Félix Kota, bonjour. J'espère que tu vas bien. Florine, merci Kota. Florine Annette. Si ce que, qui peut sortir là chaque mois, ça peut aider pour les œuvres humanitaires de Diamant Bleu, ça fait toujours du bien. Donc, au lieu que les gens profitent avec nos directs, les gens profitent avec des choses, ça peut aussi profiter à Diamant Bleu. Donc, nous, on n'y peut rien parce que ils viennent nous signaler, mais leurs pages sont protégées. Pour Toli.com est là, il peut vous dire, parce qu'il a une page, il peut vous dire, vous pouvez beau signaler les pages sont protégées. C'est pour cela. Et ceux qui ont fait sauter la page de Diamant Bleu, c'est pourquoi? Parce qu'ils ont les gens qui
qu'ils maîtrisent bien le logiciel informatique. C'est pour cela qu'ils entrent dans les pages pour faire sauter les pages. Je veux vous dire que les grandes pages, comme la page de Diamant Bleu qui a été sautée, ils ont mis le travail des informaticiens devant pour faire sauter la page. Rien que quand une page est soudée, rien que les signalements ne peuvent pas faire sauter une page. Donc voilà les quotas. Ah, Mate, là, ma contenance est là. Mate, je te fais des gros bisous, Mate. Je te fais des gros bisous, tu es dans mon cœur, Mate. Mate, je te respecte beaucoup. Tu es une grande sœur que je respecte beaucoup. Tu as un grand respect. On ne veut pas savoir. Même si il y a eu les égarements avec certains TKC, Mate. Prends-nous comme tes petites sœurs. Mate, ne nous jette pas. Ne jette pas. Quand tu penses qu'il y a Lisette, il y a Félie, il y a Nick ta mère, il y a Maman Phoebe Patience, il y a Christian de Monaco, il y a Diamant Bleu, les enfants de Maman Pépé, tout ce monde-là. Même s'il y a eu les égarements avec d'autres, certaines de tes petites sœurs de la TKC, Mate, nous, on a un grand respect avec toi. On ne va pas mélanger les choses. J'aimerais que tu baisses ton cœur et que ceux et celles que tu as bloqués, il faut les débloquer. Prends le cœur d'une grande sœur, Mate. Merci. Mate, prends tes gros bisous et j'espère que notre bébé aussi, notre gros bébé, notre belle petite fille qui est en train de grandir, qui part à ses 15-14 ans, qui va bien, qui est la grande Chloé. Bisous à vous là-bas. Je vais commencer le direct, les quotas. Voilà, ça commence déjà. Connexion lente. Oh, Richa, je t'aime. Tu es dans mon cœur, Richa. Donc, je veux qu'on va commencer ce direct. Je veux que vous me bipez. Je vais commencer avec les Mbiaï. Parce que je vais commencer avec les Mbiaï. Je veux d'abord les envoyer la nouvelle. Le message que Papa Fodja a envoyé. Papa Fodja a envoyé un grand merci, Mate. Merci, Mate. Merci. Merci. Avec la main sur le cœur. Merci, ma cancer. Je veux vous dire aujourd'hui, je vais envoyer encore le message. Peut-être le message n'est pas passé. Vous savez que Mbiaï, Patricia, une femme qui ne prend pas la retraite en train de tirer les valises. Elle était peut-être en train de s'occuper de ses clients parce que vous avez vu hier, elle est des appart-hôtels, des appart-hôtels pour tirer les valises. Donc, peut-être quand le message est passé, sa sœur qui est dans un petit coin là-bas en Allemagne, que j'ai vu, pardon, les lolomaniocs cotisaient pour acheter le lit. Cotiser pour acheter le lit à 7. Voilà ma mère, Fébi Patience. À la page, c'est ça. Il faut vous abonner à la page de Lisette Akoudou. Toli.com, s'il te plaît, partage cette page. S'il te plaît, Kota, Toli.com, partage cette page pour que les gens s'abonnent pour les œuvres humanitaires de Diamant Bleu. Nous, on ne compte sur personne. On compte sur la TKC. Diamant Bleu compte sur sa TKC et ses sympathisants qui sont, comme vous voyez, les Tony.com, Oshiga, Amek Amek et tout le reste. Nous, on n'a pas les gros types qui sont mélangés ensemble pour faire du mal. Nous, on ne fait pas du mal. Donc, Diamant Bleu a besoin de nous. Soudons-nous les coudes. On va y arriver. Donc, comme Papa Fodja, qui est un grand homme, que je fais un big up à ce couple, qui est Marie Fodja et Stéphane Fodja, et il a dit hier qu'il y aura une surprise, et ça veut tout dire. Ça veut tout dire. Et il a présenté hier que Marie est son épouse, Marie est sa femme, et le bim arrive. Et ça peut déjà nous dire qu'il y a des choses qui arrivent. Et je veux envoyer Tony.com. J'aimerais que tu prennes, parce qu'il n'y a pas beaucoup les gens qui ont vu ce direct. Que tu envoies le message que je suis en train d'envoyer au Mbiaï, que Papa Fodja a dit hier, parce qu'elle était en train de s'occuper de son client. On vous a toujours dit ici, on a toujours dit ici que bien même Mbiaï Patricia, cette femme ne peut jamais prendre la retraite. Et que cette femme est instable
Vous avez compris, un homme qui a fait 13 ans avec cette femme, qui a dit hier ou est fort qu'elle doit aller consulter un médecin parce qu'elle est malade. Et que si papa Fodja, c'est un grand homme, que si il ouvre sa bouche, tout le monde peut parler. Mais comme avec sa femme qui est mariée, n'ont pas eu cette éducation, et que lui, il a ses petites filles. Vous avez vu comment cet homme, depuis qu'il s'est séparé de cette peste, comment cet homme rayonne, comment cet homme, un bel homme, un homme posé, se fait un big up à ce couple. Il a envoyé la nouvelle hier que sa femme s'est mariée et que si c'était son premier amour, et c'est la mère de son enfant, et c'est la seule qui connaît toute sa famille. Et il a encore ajouté que bien même Biaï Patricia, alias Lolo Pipi, tu dois aller consulter un médecin parce que tu es malade. Et que tu arrêtes de les envoyer les pics. Tu arrêtes parce que c'est lui qui t'a jeté. Tu as dit au monde entier que c'est toi. Tu as quitté l'homme, pourquoi tu pleures? Si c'est toi qui as quitté l'homme, pourquoi tu pleures? Et il a fait comprendre au monde entier hier que c'est lui qui t'a quitté et il t'a tout laissé. Au lieu de parler de la vie de Diamant Bleu, parlez de vos vies. Donc, il t'a envoyé un message fort. Je veux vous dire quelque chose. C'est un couple posé. Si vous étiez endormi, moi j'ai écouté ce direct le matin jusqu'à la fin, que papa Fodja a montré au monde entier qu'il assume sa femme qui est mariée. Et il a montré que c'est la seule femme qui connaît toute sa famille. Que l'homme bien, même Biaï Patricia est malade, elle est folle. Que si tout le monde peut être comme elle, mais papa Fodja a dit qu'il a sa mère, il a ses soeurs et il a ses petits-enfants qui sont des filles. Ça veut dire qu'il assume son couple, la mère de son enfant, que bientôt elle va porter le nom de monsieur Fodja. C'est elle qui sera Marie Fodja. Et il a encore envoyé, voilà les messages Tony.com. Il faut couper les parties ici. Tu envoies à ces égarés des filles de Mbiaï que même le matelas, même le lit, tu n'as pas honte de dormir, tu n'as pas un lit, Mbiaï, je vais arriver sur toi. Donc, Tony.com Kota, peut-être tu dormais. C'est-à-dire que ce direct était plein de sagesse. Ce direct avait beaucoup de messages. Quand on vous dit ici, Diamant Bleu, vous avez dit ici, que cette femme de Mbiaï n'est pas stable, elle n'est pas normale. Elle a fait tellement du mal. Une femme qui a fait le tour du monde. Une femme qui a tué depuis. Une femme qui a tué depuis le Gabon, qui a tué partout. Qu'elle faisait la ronde pour venir en Europe. Elle est instable. Et papa Fodja a encore ajouté qu'elle est malade, qu'elle doit aller se consulter. Va consulter un médecin. Fiche le camp aux gens. Pipi, l'homme a dit hier que sa femme, qui connaît sa famille, que tu ne connais rien de sa vie. Tu ne connais pas sa famille. Tu ne connais pas son père. Tu ne connais pas sa mère. Tu ne connais pas ses tantes. Tu ne connais pas sa grand-mère. Tu ne connais personne. Comme c'est Marie Fodja qui connaît et qui connaît l'homme qu'il est. Toi, tu ne le connaissais pas. Et papa Fodja a dit que là où c'est là, l'hiver est dehors. Arrête. Tu vas te réchauffer avec les couettes. Tu vas te réchauffer avec les couettes. Tu pleures quoi? Tu es venu nous mentir ici que c'est toi qui as jeté l'homme, alors que c'est l'homme qui t'a jeté, qui t'a laissé avec tout. Arrête de tourner autour de ce couple comme le mauvais esprit. Voilà les quotas, vous qui n'avez pas vu le direct de papa Fodja. Parce que c'était un direct avec beaucoup de respect, avec beaucoup d'humour, avec beaucoup d'amour. On sent que le couple vit leur parfait amour. Donc, bien même Biaï, au lieu de venir nous secouer ce qui te sert de ça, tu ne fous rien, tu n'es rien. Et que Marie a ajouté que cet homme t'a fait que du bien. Il t'a rendu service parce qu'il est resté avec toi par rapport à ta fille. Et tu n'as pas le droit d'insulter cet homme en parabole, ce couple en parabole qui vit leur parfait amour.
Parce que tu vas attirer l'attention des gens. Tu as dit que tu avais le boulot. Tu as dit que tu avais les sommes à ton âge. Tu n'es pas heureuse. Pourquoi tu t'occupes d'eux? Donc, voilà le message que papa faut t'a envoyé hier. Donc, tu es sur YouTube, kotatori.com. Ah, comme tu étais sur YouTube, voilà le message que je suis en train de te dire. Que tu coupes les parties là, tu envoies à l'homme bien même bien ce que papa Fodja a dit hier. Et que papa Fodja a dit que tu, elle ne connaît pas qui est papa Fodja, ne connaît même pas la famille de papa Fodja. Que la seule femme qui connaît sa famille et qui connaît qui est cet homme. Et vous voyez que c'est sa seule femme qui connaît sa valeur. Au jour d'aujourd'hui, c'est un autre homme. Donc arrête de pleurer. Bien même bien, arrête de pleurer. Cet homme n'est plus ton homme. Cet homme, et on, il a encore ajouté hier, qu'il n'était pas venu en France. Il venait pour arriver en Belgique. Là, il y avait son ami. Mais comme il avait l'amour de sa vie, qui était Marie, c'est pour cela qu'il est arrivé en France. Donc, bon, il y avait beaucoup de vérités comme ça, Tony.com. Maté, il y avait beaucoup de vérités dans ce direct. Papa Fodja, dans sa propre bouche, hier, cet homme a déclaré tout son amour à sa famille, qu'ils aiment leur famille, que leur famille les aime et qu'ils ont le soutien de leurs deux familles. Et que Papa Fodja a dit qu'il ne venait pas en France, il venait en Belgique chez soi pour rester en Belgique parce qu'il avait son ami là-bas. Et il est venu en France par rapport qu'il avait l'amour de sa vie. Qui était merci les quotas pour les cœurs. Merci. Je vais vous lire après et je vais continuer à vous saluer. Maman Pépé, diamant bleu, je te fais des gros bisous et profite de ta famille, ma mère. Et je vais vous parler aussi de l'événement de la Greater Line au Gabon. Je vais vous parler de cet événement aussi. Mais je finis d'abord d'envoyer les messages. Parce que je suis porte-parole du couple Fodja. Ah oui. Donc, Papa Fodja a dit, number one, bonjour Kota. Papa Fodja a dit que si il s'est installé en France, si il a décidé de vivre en France parce qu'il cherchait l'amour de sa vie, qui était Marie. Donc, bien même bien, il Patricia Laure. Maman, tu n'as jamais été son élu de cœur. Tu n'étais jamais l'élu de cœur. Ah, comment on dit que l'élu, on dit quoi? L'élu du cœur d'un homme, tu n'as jamais été. Tu étais une femme qui a forcé l'homme. Parce que vous savez très bien, quand on arrive dans ce pays, il faut qu'on cherche d'abord la situation. Peut-être à l'époque là, Marie Fodja cherchait sa situation. Et bien même bien y Patricia. Vous savez que les femmes qui vendent le piment aiment trop impressionner les hommes. Parce qu'elle nous dit toujours que c'est elle-même qui allait chercher l'appartement avec son agent de piment pour que M. Fodja s'installe à Paris. Vous comprenez que elle a coupé l'herbe du pied à Marie. Et vous savez que bien que quand quelqu'un arrive dans ce pays, tu n'as pas d'équilibre. Et au point que Marie était là où elle cherchait, c'est quand on le pétait. Et l'homme bien même bien qui vendait son piment déjà depuis des pays africains jusqu'en Suisse, jusqu'en France. C'est pour cela qu'elle a récupéré l'homme jusqu'à chercher l'appartement payé avec son argent du piment. Donc, Papa Fodja a tout dit hier. Et elle a toujours cherché l'amour de sa vie. Celle qui l'a donné son premier sang. Et qu'ils ont déjà les petits-enfants. C'est pour cela que Papa Fodja a envoyé les messages forts hier. Qu'il ne peut jamais t'insulter. Parce que quand il pense qu'il a ses petites filles. Et sa mère et ses soeurs. Donc, bien même bien y Patricia. Les déclarations d'amour. Que M. Fodja, que tu as volé son nom. A déclaré, il n'avait jamais déclaré avec toi. Tu forçais pour qu'il vienne te faire un bisou. Tu forçais en direct pour dire que chérie dit comme ça, chérie dit comme ça. Mais regarde ce couple, comment le parfait amour en train de couler comme l'eau de roche. C'est en train de couler toute seule. Ce couple,
Ils sont tellement heureux. Il faut les laisser tranquilles. Il faut laisser ce couple tranquille. Laisse ce couple tranquille. Ta soeur qui est dans la vie de Diamant Bleu, matin, midi, soir, on t'a invité ici plusieurs fois. Tu te poses le couple de Diamant Bleu parce que tu fais le aide-moi à détester parce que tu n'aimes pas. Tu as suivi Tatiana Cornichon, je t'ai dit non. C'est moi qui t'ai donné le nom de Cornichon. Tu as vu comment ce nom est déjà sur toi? Tu n'es que le... C'était le début. Parce que nous, la TKC, quand on donne le nom, la reine mère Dieu a donné le nom de Tintin Pantalon. Ça a collé. Et c'est là, Tintin Pantalon. Ça ne bouge pas. Toi, Tatiana Cornichon, j'ai donné mon dernier direct. C'est là où j'ai donné ton nom. Tu t'appelles Tatiana Cornichon. Parce que tu es formée comme une cornichon. Tu es gros en haut là-bas, en bas petit comme ça. Là. Tu es formé comme une cornichon. Tu as vu? Rêve, Binda ne t'aime pas. Celle que Marthe a dit qu'elle a les lèvres. Marthe, tu as dit qu'elle a les lèvres comme quoi? Même le visage. Le visage de Biaï est comme le visage d'un corps qu'on a gardé à la morgue, plus que le corps de qu'on a déjà fait plus de 6 mois à la morgue. Voilà le visage de Biaï. Celle qu'on appelle la rêve, la rêveuse. Une femme qui ressemble à un cadavre. Une femme qui est capable de parler de la vie de sa propre soeur qui a fait 13 ans avec un homme. Qui a forcé l'homme à vivre avec elle. Papa Fodja a dit hier que ta soeur était dans les couloirs de la bordelerie. Du piment à quoi? Que celle-là ne pouvait même pas dire bonjour. À papa Fodja. Papa Fodja a tout versé hier. Alors que cette mytho, cette employeuse est venue nous dire ici que elle a commencé avec papa Fodja depuis Douala. Papa Fodja a dit hier que Tony.com, coupe la partie là. De papa Fodja a dit hier que vous là, les vendeuses de piment là, depuis à quoi les saletés là, tu ne pourrais pas lui dire bonjour. Bien, tu ne pouvais pas dire bonjour à papa Fodja. C'est sorti dans la bouche de papa Fodja hier. Que tu ne pouvais même pas dire bonjour. Donc, comme vous vous êtes croisés à Paris, tu as pris l'homme. Parce que vous croyez que le fait que vous vendez le piment, vous allez arrêter les hommes par force. Et comme c'était un père de famille, c'est quelqu'un qui voyait, quand il voyait ta nièce, tu as fait venir ta nièce, il voyait son fils. C'est pour cela que il restait là. Laisse cet homme tranquille. Donc rêve la rêveuse. Le visage d'une momie. Le visage d'un cadavre. Au lieu de parler de la vie de Diamant Bleu. Au lieu de faire le aide-moi à détester pour dire que tu aimes Cornichon. Tu n'aimes pas Tatiana Cornichon. Tu ne l'aimes pas. Tu fais le aide-moi à détester. Viens nous parler. Maintenant alors on t'a donné un sujet. Tu es venu me dire ici que papa Fodja lancer les cailloux pour aller chercher ta nièce. Comme tu étais incapable, ta soeur a fait plus de 3 mois au Cameroun, tu étais incapable d'aller récupérer ta nièce, l'enfant de ton frère, pour l'amener en Allemagne. Parce que toi-même, tu n'as pas de vie en Allemagne. Tu vis dans de foyer en foyer. L'exemple, tu nous montres quoi? Tu n'as pas de lit. Une femme comme toi qui n'a pas de lit. Une femme comme toi, pour aller dans une vie. Toi qui as le visage d'un cadavre, tu ne ressembles à rien. Tu ne ressembles à rien. Au jour d'aujourd'hui, hier soir, papa Fodja a donné. Tu peux faire, tu peux venir nous dire comment ta soeur a vécu avec cet homme. La balle est maintenant dans votre camp. Dépose la vie de Diamant Bleu. Parce que Diamant Bleu a une vie. Elle a une vie. Même quand elle était à Paris, quand Diamant Bleu montait sa chambre, elle avait un lit. Tu n'as même pas de lit. Rêve Binda, le visage de cadavre, tu n'as même pas de lit. On a vu là où tu dors. Tu n'as même pas un matelas. Tu n'as même pas de drap. Tu vis comme une clochard que tu es. Rentre chez ton vieux blanc. Ça ne sert à rien de traîner comme mauvais esprit. Une mère indigne comme toi
tu récupères le problème. Tu ne vis pas avec un homme. Ta soeur, 13 ans, sa vie, on a su hier qu'elle ne savait que les mensonges. Que tout ce qu'elle a dit de sa relation avec Papa Fodja, toute la vérité est sortie hier. Que Papa Fodja ne l'a jamais. C'est elle qui a forcé d'être avec Papa Fodja. Et la vérité, Dieu a montré aux yeux du monde qui elle est. Vous êtes que des mythos, des vieilles mythos. Donc tu as maintenant un sujet. Parce que tu ne peux rien parler de soi d'un couple, parce que tu n'es pas en couple. Tu es incapable de faire ta vie chez un vieux blanc. Voilà ton fils, tu es incapable de donner l'éducation à ton fils. C'est la vie de diamant bleu que tu te poses. Ta soeur même n'a pas de vie. Vous marchez à pied du matin au soir. Tu n'as pas, tu dis que tu es en bas. Tu parles bien français, oui. Qui te dit, avec tous les fautes que tu parles, comme pour moi, si. Tu n'as pas de permis, ta soeur n'a pas de permis. Vous n'avez pas de vie en Europe. Diamant a une vie. Elle a un permis, elle conduit. Tu dis qu'elle ne sait pas lire, elle ne sait pas écrire. Tu es sur sa vie depuis des années. Mais ta vie est sale. La vie de ta soeur est sale. Tu parlais quand même à l'auto-école. Nous, on conduit. On ne marche pas à pied. Voilà l'hiver qui est en train d'arriver. Toi, Mbinda, le visage d'un cadavre. Tu es incapable d'éduquer ton fils. Ton fils aujourd'hui se retrouve au Cameroun. Tu as déjà fait combien de voyages depuis que ton fils, qui t'a dépassé en Allemagne, au Cameroun, une mère indigne comme Mathé a dit, Mathé ne mange jamais. Une mère indigne comme toi. Vous venez, vos sales vies, vous les biaillez. La seule vie que ta propre mère est allée gâter le mariage des gens, c'est cette seule vie, toi et ta soeur, vous êtes venus nous verser sur Facebook. Tu as quelle vie? Montre-moi, montre-nous là où tu dors. Montre-nous ton lit. Tu pars acheter le aide-moi à détester. Chez Tatiana Cornichon. Tatiana Cornichon, on ne te dit pas. Essaye d'aller dans Toto TV. La télé qui dort. La seule femme qui fait la télé avec le téléphone. On voit Emmanuel Keta, c'est la vraie télé. On a vu Coach Amonchik, c'est la vraie télé. Voilà les stars camerounaises. Faire la télé avec le téléphone. C'est ça que vous venez nous casser les oreilles. Vous voulez parler à une grande femme, comme Diamant Bleu qui a fait la vie, qui fait sa vie, ambassadrice humanitaire, jusqu'à qu'on voit. Vous êtes de qui? Vous êtes de qui? Comme Mahat dit souvent que les biais, Naou, vous êtes de qui? Ta soeur, elle est en train de tirer les valises. Vous voulez dénigrer les vrais couples, les vraies femmes sur Facebook. Viens nous parler de la vie de ta soeur. Voilà le message que M. Fodja a envoyé. Vous l'avez traité de tout. Jusqu'à un homme a rampé l'enfant de quelqu'un. Vous avez vu cet homme. Toi-même, Biaï, tu es capable de parler de cet homme. Parce que c'est le seul homme. Ni toi, ni ta soeur, personne d'entre vous ne peut plus avoir un homme comme Papa Fodja. Personne. Et hier, il a tout versé. Dans la grandeur. Tu as compris, non, avec beaucoup de politesse. Ta soeur, c'est une racaille. Une vieille racaille. Une vieille racaille. Et Papa Fodja a demandé à ta soeur de respecter son âge. Je vous dis ici que bien même Biaï Patricia a plus de 55 ans. Parce que sa soeur a 52 ans, née en 72, comme Ashley Lambert nous a fait ici. Vous êtes que des diépos. Toi, qu'on appelle Reven Biaï, visage de cadavre. Toi, depuis que ton fils, que tu as raté son éducation, tes enfants sont sales. Ton enfant qui rôde la nuit. Toi aussi, tu vas aller laisser aussi cette petite au Cameroun. Parce que ça promet. Un enfant qui est debout dans la nuit, qui ne dort pas. Parce que quoi, je comprends, vous dormez mal. Vous avez un lit. Le lit des réfugiés. Deux personnes, vous avez un petit lit. C'est pour cela que cet enfant ne dort pas. Toi-même, tu ne dors pas. Tu es coincé là, quelque part, en train de faire les directs. En train d'insulter une femme qui est dans son appartement. Comme Diamant Bleu.
Combien de chambres? Sa fille a une chambre. Sa fille, tu vois seulement quand elle révèle son enfant. Gagou a une chambre à elle. Tout est rangé. Tu as vu là où tu dors avec ta fille? Reven Binda, tu as vu là où tu dors avec ta fille? Tu n'as pas honte? Et vous venez nous voir sur Facebook. Tu ouvres ce qui te sert, tu ne sais même pas t'habiller. Tu as vu comment tu étais habillé? On t'a déjà dit que quand tu as une poitrine, tu ne connais même pas la taille de ton soutien. Ne porte plus les pulls verts, les pulls qui montent jusqu'au cou. Tu étais mal emballé. Tu achètes des pantalons où on marchait à Chaï. Tu voulais nous montrer que tu avais un pantalon. Tu étais tellement moche. Tu étais tellement mal habillé. Ta soeur avait fait le vol que celle de Bervillers avait publié. Ta soeur a dit que tu ne sais pas t'habiller. Ta soeur vient même vieillir par qui ça, alors, alias Pipi, a dit que ta nièce s'habille mieux que toi. Vieillir. Rêve la rêveuse, le visage de cadavre, tu ne sais pas t'habiller. Vous ne savez même pas se tenir debout. Tu peux même porter un pantalon de 5 euros, mais tu sais l'agencer. Tu sais bien se mettre ça en valeur. Tu peux chercher un pull vert que jusqu'au cou. Tu emballes tes seins comme ça là, qui sont comme les sacs de patates. Rêve Biaï, visage de cadavre, arrête. Diamant bleu n'est pas ton égal. Diamant bleu n'est pas ta catégorie de femme. Vous êtes que de la racaille. Les femmes qui n'ont pas de vie. Tu étais incapable de bien éduquer ton fils chez un vieux blanc. Ton fils devait être quelqu'un. Tu devais consacrer ta vie à éduquer ton fils. Que tu allais abandonner au Cameroun. Que tu as jeté. Tu as envoyé au Cameroun comme un colis. Depuis qu'il est au Cameroun, tu es incapable d'aller rendre visite. Tu fais des voyages combien de fois pour aller au Cameroun, rendre visite à ton voyou de fils. Reven Binda. Visage de cadavre. Qui t'a donné les perruques de vent? Parce que ça ne donne pas envie. Les quotas, partagez le direct et mettez les cœurs parce qu'ils sont en train de signaler. Parce que c'est en train d'aller fort. Oui, quand tu sors de l'église, tu ne veux pas pécher. On te comprend. Tu peux quand même envoyer les cœurs pour qu'ils ne signalent pas en direct. Donc, rêve la rêveuse, visage de cadavre, je suis sur toi. Tu as vu, tu étais incapable. Une femme, une mère, toi qui dis que tu n'as jamais insulté le ventre de quelqu'un, alors que tu as passé tout ton temps, toi et ta soeur, tu avais oublié, c'est quand on a fait les directs pour te rappeler que ta soeur n'a jamais eu un retard. Ta soeur n'a jamais eu un retard. Comme Ducamel a dit hier, qu'il insulte les enfants des gens, alors qu'elle n'a jamais eu de tétard. C'est là où tu es revenu faire certains directs pour dire que tu n'as jamais insulté les enfants des gens. Tu te moques de qui, Rêve Binda? Visage de cadavre. Tu te moques de qui? Tu as passé tout le temps à insulter Diamant Blessi, que Diamant Blessi n'a jamais accouché. C'est quand on t'a rappelé que ta soeur n'a jamais eu un retard. Que tu l'as fermé, ce qui te sert de bouche. Une femme qui n'a pas de lit pour dormir, une femme qui n'a pas de matelas, ça promet, tu vas aller laisser aussi ta petite sale fille que tu es incapable de faire la propreté sur elle. Une petite fille qui doit être comme une poupée. Tu dois la laver. Tu dois coiffer ses cheveux. Tu dois l'habiller bien. La petite est derrière là comme une mauvaise esprit. Parce qu'elle ne dort pas bien. Vous avez un lit d'une place. Le lit des réfugiés. Tu n'as pas honte. Ça a montré que tu es dans le foyer. Tu es au foyer. Tu es de foyer en foyer. Rêve Binda. On t'a donné. Tu es au foyer. Les rideaux qu'on voit derrière toi là, c'est les rideaux que vous trouvez dans les chambres des foyers. Est-ce que toi tu peux parler à quelqu'un? Tu peux parler à une femme? Tu demandes à Diamant Bleu d'acheter. Toi tu as d'abord les canapés. Tu crois que le cuir est encore en vogue? Tu vois une villageoise comme toi. Tu viens nous parler des canapés en cuir. Les canapés en cuir encore, quelle valeur? Parce que les gens ont compris que
au lieu d'acheter du Sky, au lieu d'aller à Conforama, au lieu d'aller mieux d'acheter un canapé en tissu joli, qui coûte plus cher, le canapé, les kits qui est équipé dans l'appartement de diamants bleus. Tu ne peux pas avoir ça, toi, Raven Binda. Tu ne peux pas avoir ça. Une saleté comme toi. Tu ouvres ta gueule. Les femmes sans vie. Voilà la vie de ta soeur. La mensonge pendant 13 ans. Papa Fodja est venu verser tout ça. Qu'est-ce que tu dis? Tu peux sortir pour venir nous dire. C'est maintenant les pasteurs que tu cherchais déjà qui vont te Binda. On dit que le père de ton enfant, de ta sale petite fille, l'aide là. Quelle grosse tête comme ta tête. Ta grosse tête de pasteur que tu as, que ta fille a hérité là. Parce que ta petite fille a hérité ta laideur. Une grosse tête, je n'ai jamais vu l'enfant là. La tête, rien que la tête de cet enfant pèse plus de 100 kilos. Ton fils est laid. J'ai demandé ici que, qu'est-ce que tu posais sur la tête de ton fils pour qu'un enfant qui a moins de 30, de 20 ans, a les plis au visage comme ça. Qu'est-ce que tu posais? Tu dis que vous étiez des enfants de commissaire pisseur. Comment le petit enfant d'un commissaire pisseur peut avoir un visage plié, plié comme ça là? Comme si on a plié. Qu'est-ce que tu posais sur la tête de cet enfant? Il a commencé à aller puiser l'eau. À la rivière, à quel âge? Reven Binda, tu peux venir nous dire. Tu peux venir nous dire, Reven Binda. Mate ne rit pas. Est-ce que vous avez vu? Allez encore chercher les photos de son fils. Kota Lingere Bena, bonjour. Bon dimanche à toi, Kota Lingere. Qu'est-ce que tu posais? Tu as dit que vous êtes des enfants des commissaires pisseurs. Et que les petits enfants, vous avez eu une bonne vie. Qu'est-ce que tu posais sur la tête de cet enfant au Cameroun? Jusqu'à que l'enfant a déjà les plis au visage comme un vieux Aoussa, les Aoussa qui marchaient avec les pailles sur la tête pour marcher, pour vendre dans tout le village. Parce que tu as ton sang n'est pas bien. Tu fais les laids enfants parce que toi-même tu es laid. Arrête de parler de la vie de diamant bleu. Parce que tu ne vaux pas diamant bleu. Arrête de parler de sa vie. Tu n'as jamais sorti un homme debout comme tonton Thierry. Thierry, c'est un homme debout. On n'a jamais vu. Toi, tu es quelqu'un qu'on pisse dans ton vieux pétou. On voit seulement la grossesse. Tu portes la grossesse à la portée de la cinquantaine. Voilà cet enfant qui est en train de tourner. Là, vous n'avez pas de place. Tu es de foyer en foyer. La petite est là, minuit, la petite est debout, en train de réclamer les chips. L'enfant a faim. Ta soeur a fait 3 mois. Tu étais capable d'aller chercher ta nièce. Ta nièce était entre les mains de Julie Loué. Celle-là aussi qu'on appelle Julie Loué. Celle-là aussi, elle ne ressemble même pas à une voix là. Celle qui garde Louise Gloria. Les femmes comme ça, elles ne pouvaient pas conseiller celle qu'on appelle Pipi que garde cet homme. Papa Fodja en avait marre. Et hier, il est tout venu verser tout. Sors, tu viens nous dire. Sors, laissez Marie tranquille. Papa Fodja a repris sa femme, l'amour de sa vie. Celle qui l'a fait un fils. Et qui a déjà les petits-enfants. Reven Binda vient nous dire quand est-ce que Papa Fodja a assumé ta soeur. Si ce n'était pas dans la boisson, il avait rendu ce monsieur alcoolique. Il avait rendu ce monsieur ridicule. Tu peux venir nous dire. On attend ton direct. On attend ton direct. Va au Cameroun. Tu as pris ton fils, tu allais jeter au Cameroun. Va au Cameroun après 6 mois. Va lui donner l'éducation. Tu étais dans la maison du vieux blanc. En train de te prostituer. En train de chercher comment tu vas venir être star sur Facebook avec ta soeur. Et c'est ça qui ouvre, ce qui te sert de bouche pour parler aux gens. Reven Binda, tu es qui? Visage de cadavre, tu es qui? Tu es sur tes diamants blessés qu'elle n'a jamais accouché. On sent que vous êtes une famille de mythos. Et hier, Papa Fodja a montré que vous êtes une famille de mythos. Jusqu'à venir dire que tu n'avais jamais insulté les centrales de diamants bleus. Alors que tu as fait ça toute ta vie. C'est quand on t'a rappelé que ta soeur n'a jamais eu même un tétard.
Du Kamet a insulté ta soeur hier. Parce que c'est comme ça que vous êtes. Elle est là maintenant parce que vous, elle est incapable de s'assumer. Elle parle insulter les gens dans les directs des gens. Comme elle allait insulter Nicole. Comme elle allait insulter Nicole l'autre jour. En tout cas, Nicole me m'a sa bouche. Hein. Moi, je suis sur Facebook pour Diamant Bleu. Je suis sur Facebook pour Diamant Bleu. Elle est capable. Elle est là dans le client venait de partir. Est-ce qu'on porte encore le genre de pantalon que tu portais? Rêve, bien même bien. Tu dis que ta soeur ne sait pas s'habiller. Même toi-même, tu ne sais pas t'habiller. Tu ne sais pas t'habiller. Pipi, tu étais habillé l'autre jour avec le pantalon pour insulter les gens, pour lancer les piques à Diamant Bleu. Tu ne vaux pas Diamant Bleu. Tu as déjà vu, tu as évité tonton Achille. Pourquoi tonton Achille doit dire des choses sur Diamant Bleu? N'avait jamais parlé. Voilà ton ex qui a dit tous tes mensonges que tu vociférais ici. Jusqu'à que ta soeur vienne dire que Diamant Bleu n'a pas de salon en cul. Bien dit, visage de cadavre, montre-nous ton salon. Les gens qui vous suivent, je ne sais même pas, quand je vois celle qu'on appelle Biaï, qu'on appelle Rêve la rêveuse, visage de cadavre, en train de parler de ma neva perpétue, j'ai dit que le monde est à l'enfer. Tu peux nous montrer ton canapé? Tu as un canapé, une villageoise comme toi. Mieux d'acheter un canapé en tissu qui coûte cher, joli, comme pour Diamant Bleu, et que d'acheter le Sky. Comme ce qui est dans la maison de ta soeur. Papa Fodja, tu vas m'excuser parce que c'est ton argent. Parce que celle qu'on appelle Pipi n'a jamais travaillé. Elle tirait ses valises pour acheter les petits garçons. C'est toi qui faisais les efforts pour acheter. Donc, rêve la rêveuse, visage de cadavre, montre-nous ton canapé. Une femme sans vie, vous avez quelle vie? Tu l'ouvres chaque temps, chaque temps, chaque temps. Tu dis que tu vas te poser, tu vas continuer, tu vas faire parce que tu n'as pas de contenu. Tu fais les directs comme nous, on est mieux dans le noir que toi. Parce que nous, on est venus, nous, on est dans le noir pour défendre quelqu'un. Moi, je suis sur Facebook, j'ai fait le direct dans le noir parce que je défends la TKC et Diamant Bleu. Tu n'as pas de contenu, c'est pour ça que tu t'accroches sur Diamant Bleu. On dit qu'arrête de parler à quelqu'un qui te dépasse. Parce que Diamant Bleu te dépasse. Diamant Bleu te dépasse, toi et ta soeur. Vos vies sont médiocres. Vous n'avez pas de vie. Tu es une femme. Comme ta soeur est star. On voit l'éducation, c'est pour ça que ton fils a commencé à te dépasser en Allemagne. Tu es obligé de l'envoyer comme un colis au Cameroun. Ça promet avec la petite. La petite est sale. La petite a faim la nuit. La petite rôde dans le cou, dans les coins. Un jour, avec sa grosse tête qui porte là. L'enfant là va aller doser la grosse tête là dans un coin. Tout. Tant que tu es en train d'insulter ta patronne qui est Maléba Perpétue. Toi, rêve la rêveuse. Visage de cadavre. Tu es qui? Voilà vos vies qui sont versées. Voilà les mensonges. La même chose comme toi-même, tu es dans la vie de Diamant Bleu en train de mentir. On a compris que tu as vu comment Dieu t'a exposé un lit d'une place, toi et ta fille. Vous dormez un lit, une place. Le lit, une place. Tu n'as pas de drap, tu n'as pas de matelas. C'est pour cela que tu es en train de errer toute la vie. Ta vie est médiocre. Ta souffrance. Tu verses ta souffrance sur du Diamant Bleu, pourquoi? Si tu souffres, ce n'est pas Diamant Bleu. Tu as dit que tu es en Allemagne, non? Tu vivais avec un Dieu blanc, que tu pouvais bien donner une bonne éducation à ton fils. Non, hein? Tu étais dans la vie de Tata Solange vit avec sa soeur, qu'ils ont leur vie paisible. Ashley Lambert, une femme qui travaille. Elle part comme toi. Quand elle est une abeille, qu'est-ce que vous allez vous dire? J'espère que tu auras l'occasion de la regarder dans les yeux. Bandez des femmes sans vie, les biais,
La honte. Vous voulez qu'on parle des Yamsers? Qu'est-ce qu'on a à foutre des Yamsers? Diamant bleu est passé devant, elle est loin. Vous voulez nous forcer? Vous voulez qu'on fasse force à parler de quoi? L'autre là-bas, une l'aînée, une femme qui allait vendre le piment jusqu'à aller voler chez Amerika Mer. Une femme qu'on a vue dire à une autre femme d'écarter ses cuisses. Vous voulez qu'on parle d'elle, qu'elle est qui? Jusqu'à dire qu'on est jalouse. La TKC est jalouse, et leur patronne, des Yamsers. Les Yamsers qui ont les vies sales. Une femme qu'on a entendue, une grand-mère qu'on a entendue, elle dit qu'elle a 45 ans. Cette chose, une aînée, elle dit qu'elle a 45 ans, une vieille femme, comme Foucault. Vous dites qu'on a, c'est parce qu'on est jalouse des Yamsers, on peut avoir jalouse, on peut être jalouse des pourritures comme ça. Une femme qu'on a entendue dire à Coco Kouetou que écarte, écarte. Et nous, on est jaloux de ça. Voilà ta soeur. Qu'on appelle bien même Biaï Pati, sa pipi écarteuse. On a vu ces trois trous ici dehors. Qu'est-ce qu'on peut envier de ces Yamsers? Qu'est-ce qu'on peut envier du 25 novembre? Il y aura quoi? Qui y aura quoi? Que le poula poula? Qui y aura quoi? Que la soirée des vendeuses de piment? Qui y aura quoi? Que les vendeuses des tireuses des clitoris, vous êtes quoi? Ta soeur même est double cible. Que les vendeurs et les vendeuses de rêves, vous êtes quoi? Qu'on peut être jalouse de ça. Et c'est ça que vous remplissez Facebook. Celle qui pleure partout, qui paie la maison à 1200 euros, aucun homme n'assume. Écarte. C'est ça que vous voulez que les gens parlent? Vous nous parlez des abeilles. Il y a encore quelles abeilles? Si elle était encore abeille, si elle était encore vraiment la reine des abeilles, que les vraies abeilles, comme la Warriors a dit, les abeilles qui ont fait venir sa mère, les abeilles qui ont donné tout, il y a encore quelles abeilles? Celle qui est grosse là-bas, qu'on appelle Choupinette, qui est là que quand elle fait les directs, elle dit, comme ça, entendons-nous, on est le 22 novembre, j'espère qu'avec ton gros corps là, tu vas venir à Paris dans votre merde là. Qu'on ne peut pas respirer. Vous insultez Diamant Bleu dans vos directs. Celle qu'on appelle Pipi se lève, elle part chez le morguier. Le morguier, c'est qui? Le morguier, c'est qui? Elle est incapable. Une femme qui a toujours eu, elle n'a jamais assumé pour aller lancer des piques à Diamant Bleu, qu'on appelle Pipi. Une femme qu'on a vu trois trous, qu'on a vu ses Pipi ici dehors, qui allait pour aller se prostituer parce que tu trompes un homme. Tu vis avec un homme dans la maison pour aller le tromper. Et on a vu ses fesses ici dehors. Toi, visage de cadavre, toi tu as vu les fesses de Diamant Bleu dehors. Tu es assise sur Diamant Bleu matin, midi, soir. Tu es assise dans sa vie. Tu as vu sa saleté dehors. Toi-même, tu as voulu coucher avec son ex ici. Tu as voulu coucher avec son ex ici. Que tu as envoyé celle qu'on appelle Tatiana Cornichon aller coucher avec l'ex de Diamant Bleu. Pourquoi peut-être Diamant Bleu, quand Diamant Bleu a vomi, elle a vomi. C'est une femme de caractère. C'est une femme qui est debout, quand elle jette, elle jette. Tu as envoyé, comme tu voulais faire ça avec Oshika. Oshika a montré qu'elle était une grande femme. Tu as envoyé Tatiana Cornichon, qui allait exposer ce qu'on a vu ici, là. Une femme qui ne donne pas une fille nue, même à un homme. C'est ces choses-là que vous parlez de Diamant Bleu. Vous pouvez parler de Diamant Bleu. Vous pouvez parler de Diamant Bleu. Que dans les mensonges, l'a dénigré. Mais on vous connaît déjà. Vous les même vieilles. Vous les malchanceuses là. Les deux filles du commissaire Pisseur. Tu attends quoi de faire venir votre frère qui souffre là-bas au Cameroun en France? Vous attendez quoi? Toi,
Rêve la rêveuse, visage de cadavre. On est incapable de voir ton frère visage. Et on a vu ton frère visage, une saleté comme toi. Tu n'as pas de lit là où tu dors. Qu'il faut la fermer une fois pour toutes. Parce que Dieu t'a exposé. Tu n'as pas de matelas, tu n'as pas de lit. Toi et ta fille, il faut dormir sur un lit d'une seule personne. Tu n'as pas honte. Tu n'as pas honte. Tu l'ouvres ta gueule. Il n'y a que ta soeur qu'on a vue ici. C'est toi tout dehors. Une femme qu'on a partagée. Ce n'est pas son mari qui l'a publié. C'est l'amant, la femme, le mari d'une autre femme. Et c'est ça que vous venez parler, vous, les yamseurs. On peut être jalouse de quel yamseur? On peut être jalouse de saletés comme ça? Des femmes avec une sale vie. J'ai parlé de Fokwe. C'est deux mouches qui lui restent là. Les deux mouches qui restent. Vous voyez d'abord quand c'est la grosse chose qu'on appelle choupinette, qui est dans tel pays là-bas, celle-là. Quand elle fait les directs, elle a combien? Elle a combien de mouches qui sont dans son direct? Elle a combien quand elle fait même le poste? Toi, la vieille chose qu'on appelle Lily de la tour là, tu peux venir ici. Toi, Lily de la tour là, parce que quand on te voit, tu es une vieille coudée. Tu arrêtes de faire des postes sur diamant bleu pour dire que tu regrettes des oranges que tu avais données à diamant bleu. Tu as donné quoi à diamant bleu? Vous, les vieilles femmes comme ça, là, tu as donné quoi à diamant bleu? Vous ne pouvez pas venir nous dire que votre soi-disant la sang coudée qu'on appelle Fleur. Fleur de Fokwe. Est-ce que diamant bleu, 1 million, même quand tu es démarcheur, ce n'est pas le vendeur qui te paye. Mais comme diamant bleu a vu qu'elle n'est rien et qu'elle a faim, elle est venue vous dire ici qu'elle a payé le loyer de diamant bleu. Quand et où? Qu'elle montre les preuves. Mais diamant bleu a montré les preuves. C'était pas diamant bleu de payer la personne qui a démarché. Au contraire, c'est celle qui est venue acheter, ou celui qui est venu acheter le terrain, qui devait payer. Celle qu'on appelle Fokwe. Écarte, écarte. Voilà une femme. C'est diamant bleu qui l'a nourri. C'est diamant bleu qui a payé son appartement. Parce que 1 million, c'est 1600 euros. Elle paye son appartement à 1200 euros. Ça veut dire que ce mois-là, c'est diamant bleu qui a payé sa maison. Et non le contraire. Donc toi, Lily de la Tour, si vous êtes venu sur Facebook pour venir chercher les enfants des gens, il faut lui laisser diamant bleu. Diamant bleu a bloqué tout ce monde qui tourne, qui sont autour de la nénée de Fokwe. Donc vous pouvez faire la même chose. Elle ne fait pas allusion à vous. Laissez cette femme tranquille. Je reviens sur vous. Si vous ne voulez pas arrêter, personne aussi ne va pas arrêter. Vous avez compris? Parce que diamant bleu encore, c'est l'enfant de quelqu'un. Et moi, je t'interpelle ici. Diamant bleu, tu es au sommet. Tu ne descends plus. Je n'ai plus le temps de faire les lives. Mais quand on peut faire les lives, il y a Christian de Monaco. Il y a beaucoup de quotas qui font les publications. Qui font les choses. Et on commande. Donc, on est les travailleuses sans salaire. On travaille pour toi. Tu ne descends plus pour répondre à qui que ce soit. Voilà, Pipi. Les yamseurs qui disent qu'ils ne sont plus là ils sont quittés, mais ils sont là en train d'aller dans les directs des gens pour insulter les gens, pour lancer les piques aux gens. Vous croyez qu'on ne vous voit pas? Vous êtes que des merdes. Vous êtes des vieilles femmes sans vie. Les femmes sans vie. Oui, chérie. Oui. Ok. Ok. Ok, ça marche. Moi, j'ai pas faim. Oui, je vais manger après. Vous pouvez manger. Ok, bisous. Bisous à tout à l'heure.
Donc arrêtez. Arrêtez. Arrêtez de mélanger vos sales vies pour donner, pour verser ça sur diamant bleu. Tu as vu comment Dieu t'a exposé? Visage de cadavre, sans lit, mais tu parlais de canapé. Si tu n'as même pas un lit pour dormir, tu n'as même pas un matelas pour dormir, mais tu dors dans la vie de diamant bleu. Appelez-moi Esola. Appelez-moi Esola. Partagez le direct et l'écoute. Elles sont en train de signaler. Le direct là va se couper. Partagez le direct. Parce que les partages aussi, ça compte beaucoup les quotas. Ça compte beaucoup. Ça compte beaucoup les quotas. Karina, bonjour. Vous abîmez-moi, Esola. Esola, tu parles souvent beaucoup de moi en parabole. J'étais dit, je t'avais dit depuis que je vais encore parler de toi quand tu vas faire un enfant à ton homme. Parce que tu n'as pas de vie. On entend que Ebenezer est parti. On entend, hein. J'espère qu'il faut venir nous dire. Et je te lance un défi de faire un direct à côté, couché avec Ebenezer. Ou bien, vous êtes en train de manger en couple, à la maison, pas au restaurant et cela. Et cela, je t'interpelle, je te lance le challenge. Fais tes bêtises que tu fais là, en disant que tu prépares. Les vomissures que tu fais souvent là, parce que ce n'est pas la cuisine, c'est les vomissures que tu fais souvent là, en disant que tu prépares. Prépare et tu manges en couple avec Ebenezer. Parce qu'il s'avère que Ebenezer est parti. Diamant bleu ne te calcule plus. Réponds à Koti Kota. Réponds à Kento. Nous, on n'a pas ton temps. Diamant bleu n'a pas ton temps. Tu dis que diamant bleu doit venir. C'est toi qui avais dit que tu vas aller. C'est toi qui avais dit que tu vas aller à Rouen. Aller la taper. Vous oubliez souvent. Vous oubliez souvent. Avec ton visage gonflé, comme on a mis la pâte dans l'eau chaude. Et ça a gonflé. Avec ton visage gonflé, on t'a dit d'aller chercher les enfants de ta soeur à la DAS. Les enfants de ta soeur sont dans une famille d'accueil. Va les chercher et cela. Et cela, et commence à t'habiller bien. Tu as trop les taches au visage, les taches de saleté, tu es encore sale. Tu es encore sale et cela. Diamant bleu ne te calcule pas. Tu es allé racoler chez Biaï. C'est celle qu'on appelle visage de cadavre. Qu'on appelle le rêve la rêveuse. Elle t'a déposé. Tu es allé mentir à cette chose. Que tu connais les faux profils. Tu ne connais rien. Tu ne connais personne. Quelqu'un t'a dit qu'elle a fait les photos de mon bébé. Tu es allé chez quelqu'un, tu croyais qu'elle va te donner les photos de mon bébé. Quelqu'un t'a dit qu'elle avait les photos de mon mari. Quelqu'un, c'est une mère. Quelqu'un ne peut jamais, et quelqu'un n'avait jamais eu les photos de mon bébé. Parce que mon mari l'avait dit que j'étais encore dans la salle d'accouchement et que elle va envoyer la photo du bébé. Il m'a d'abord demandé. J'ai dit non. Donc, Kento n'a jamais eu les photos de mon bébé. Jamais. Tu es allé coudou chez Kento. Tu crois en croyant que... Parce que Kento t'avait dit que elle me connaissait. Et Kento a publié deux photos. Kento a dit qu'elle a deux photos. La photo de Josephine Logan et la photo de Lisette Akoudou. Mais choisissez entre les deux photos. Qui est Lisette Akoudou et qui est Josephine Logan? Parce que quelqu'un vous avait montré deux photos. Et que les deux personnes font des courses à Carrefour, là où quelqu'un travaille. Toi, rêve la rêveuse, je te donne encore l'occasion d'aller vers quelqu'un, que quelqu'un te donne ces deux photos. Et que toi, tu choisis. Donc, aide-moi à détester tout ça parce que vous voulez détruire la petite femme qu'on appelle Diamant Bleu et sa team.
Vous voyez les filles de diamant bleu, vous voyez les filles de la TKC, ne sont pas mes petites filles. Elles sont des petites filles. Elles sont jeunes, elles sont belles. Et toutes sont en mariage. Et vous, vous n'avez pas de vie. Donc tu as couru à me dire la même chose que tu es en train de dire que tu vas défendre Tatiana Cornichon. Parce que tu crois peut-être que Tatiana a les photos, les choses sur diamant bleu. Rêve la rêveuse, visage de cadavre. Non. La même chose, comme toi, qu'on appelait cela. Tu n'as fait rien. Et tu allais mentir que tu vas verser les faux profils. C'est passé bon. Donc, tu ne ressembles pas aux nièces de la de diamant bleu. Tu as vu ces nièces, tu as vu comment elles sont belles. Donc, tu ne vaux rien. Tu ne pouvais pas être dans la famille de diamant bleu. Parce que tu es tellement laid et sale. Et cela. Arrête. Tu avais dit que tu vas aller taper diamant bleu à Rouen. Tu as voulu la NAC à Rouen. Tu as dit que tu vas aller la NAC à Rouen. Ce n'est pas. Diamant bleu ne t'a jamais répondu. Diamant bleu ne t'a même jamais clashé. Elle a dit que tu arrêtes de pleurer. Parce que tu souffres dans ton cœur. Tu as les regrets. Parce que tu es repoussé partout. Tu es jeté de partout. Personne ne te veut dans sa team. Personne. Parce que tu n'es pas une personne fiable. Tu n'es pas une personne qu'on peut faire confiance à cela. Arrête de venir nous montrer tes sales dents, ton sale visage, ton sale corps, tes vieux habits que tu ramasses au marché. Tu as compris, non? Arrête de prononcer le nom de diamant bleu et cela. De là, continue ta vie. On dit que Ebenezer est parti. Ebenezer est parti. Ebenezer est parti. Pouvez-nous que Ebenezer encore chez toi? Saleté. Saleté. Personne ne t'assume. C'est vous qui donnez les rendez-vous de NAC à diamant bleu. C'est vous. Quand diamant bleu était diamant bleu, quand elle donnait rendez-vous, elle honorait. Elle honore. Elle te dit, tu donnais rendez-vous pour la bagarre, elle arrivait. Mais elle n'est plus à ce niveau-là. C'est toi et cela qui avait donné rendez-vous. Que tu amènes, tu vas aller à Rouen. Tu vas aller à Rouen avec quoi? Tu ne conduis pas, tu n'as pas de permis, tu n'as rien. Vous êtes allé boire, toi et ta mère. Vous êtes allé boire chez quelqu'un jusqu'à faire pipi sur vous. Et saleter jusqu'à boire, jusqu'à ramasser la boisson. On dit souvent que les vendeuses de piments ont tout. Mais vous êtes des vendeuses de piments qui n'ont rien. On est sur vous. Et personne ne lâche. Vous avez compris. Je reviens sur vous. Pour les publicitaires, les quotas, vous savez que nous sommes les travailleuses sans salaire. Il y a la bosse des bosses qui est gluta. La grande gluta qui fait qu'au jour d'aujourd'hui, la haine a encore augmenté 100 fois sur diamant bleu par rapport que elle est ambassadrice humanitaire d'une grande marque. Vous savez que à partir de 25 ans, 30 ans, 35 ans, 40 ans, 45 ans, 5 ans, 50 ans, 55 ans montant, on perd beaucoup d'énergie et on n'a plus assez. Même les anticorps, même, il faut prendre le glutathion. Ça veut dire quoi? On nous dit qu'il y a les aliments qu'on doit manger. Parce qu'on n'a plus assez de collagène. Et je vous invite de faire un tour sur le mur de Glutaline. Il y a, à ce moment même, elle a posté qu'il y a les réductions. Qu'elle est en train de faire les réductions. Allez sur sa page. Et il y a l'événement A. Les TKC qui sont à Libreville, Gabon. Il y a l'événement qui va se dérouler là-bas. Ce mois, à la fin du mois. Et allez sur le mur de Glutaline. Et faites aussi un tour sur la page des enfants de Maman Pépé. Il y a l'adresse de l'hôtel. Il y aura une conférence. Ne regardez pas les glutathions qu'on est en train de vendre partout. Ce glutathion acheté, c'est sûr.
la bosse des bosses. C'est pour cela que vous voyez les agitations. Depuis que cette femme a signé le contrat, c'est là où vous avez vu même le vieux Defao a perdu le sommeil. Donc je vous invite, les TKC qui sont à la frontière, les TKC qui sont là-bas à Libreville, Gabon, Maman Pépé, elle sera présente avec sa bosse de bosse qui est la gluta, Madame Amélie. Donc, faites-y un tour. Allez faire un tour. Parce qu'il y a les promotions. Ça ne fait même pas 30 minutes qu'elle a publié. Allez faire un tour. Moi, je peux vous dire, c'est ça que moi j'achète en ligne. Même avant que Madame Amélie signe le contrat avec Diamant Bleu, j'achetais déjà pour ma mère. Écoute, faites la même chose. Donc, je reviens sur toi, Esola. Esola, tu n'as même pas honte. Tu veux que ta mère vienne bagarrer. Oh, ça montre que ta mère, c'est une racaille comme toi-même. Vous savez que quand on vend le piment, on n'a pas d'âge.